خوتي خوتي السلام عليكم. الظروف الأول ميضام يسي بونجور شغا تكونوا قاب خير. جو رمسي تو سو كي يوغاد فيديو نشغا لدينا شايدون الفيديو توعي دون سي دي جو دون لي ريزيطا دي ماتش كاليفيكاسيون اورو 2024. لي ماتش سون ديرولي سو لندي ماردي فوسي لي ريزيطا. اون كومونس با لو جروب ا. ليكيب دو ليكوس ا باتو ليكيب دو جورجي 2 بيتا 0. ليكيب دو نورفيج ا باتو ليكيب دو شيب 3 بيتا 1. لو كلاسمون دو جروب ا اون تو لا بروميير بلاس ليكيب دو ليكوس افيك 12 بوين. Deuxième position, l'équipe de Norvège avec 4 points. Troisième position, l'équipe de Géorgie avec 4 points. Quatrième position, l'équipe de l'Espagne avec 3 points. Cinquième position, l'équipe de Chypre avec 0 points. Dans ce groupe A, il y a l'Écosse et la Norvège qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe B. Les matchs qui se sont déroulés ce lundi, France a battu l'équipe de la Grèce en 1-0, l'Irlande a battu l'équipe de Gibraltar 3-0, le classement du groupe B, on retrouve la première place l'équipe de la France avec 12 points, deuxième position l'équipe de Grèce avec 6 points, troisième position l'équipe de l'Irlande avec 3 points, quatrième position l'équipe de Pays-Bas avec 3 points, cinquième position l'équipe de Gibraltar avec 0 points. Dans ce groupe B, il y a la France et la Grèce qui se sont qualifiés. On passe après au groupe C, les matchs qui se sont déroulés ce lundi. L'Ukraine a battu l'équipe de Malte 1-0. L'Angleterre a battu l'équipe de Macédoine du Nord 7-0. Le classement du groupe C, on retrouve en première place l'équipe de l'Angleterre avec 12 points. Deuxième position l'équipe de l'Ukraine avec 6 points. Troisième position l'équipe de l'Italie avec 3 points. Quatrième position l'équipe de Macédoine du Nord avec 3 points. Cinquième et dernière place l'équipe de Malte avec 0 points. Dans ce groupe, il y a l'Angleterre et l'Ukraine qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe D. Lundi, l'Arménie a battu l'équipe de Lettonie de Beta 1. La Turquie a battu l'équipe de Pays de Galles de Beta 0. Le classement du groupe D, on trouve en première place l'équipe de la Turquie avec 9 points. Deuxième position, l'équipe de l'Arménie avec 6 points. Troisième position, l'équipe de Pays de Galles avec 4 points. Quatrième position, l'équipe de la Croatie avec 4 points. Et cinquième et dernière place, l'équipe de Lettonie avec 0 points. Dans ce groupe D, il y a la Turquie et l'Arménie qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe E. Hier mardi, l'île de Féroé s'est inclinée à domicile devant l'Albanie 3-1. La Moldavie a battu l'équipe de la Pologne 3-2. Pour le classement du groupe E, on retrouve la première place l'équipe de la République tchèque avec 7 points. Deuxième position l'équipe de l'Albanie avec 6 points. Troisième position l'équipe de la Moldavie avec 5 points. Quatrième position l'équipe de la Pologne avec 3 points. Cinquième et dernière position l'équipe de l'île Féroé avec 1 point. Dans ce groupe E, il y a la République tchèque et l'Albanie qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe F. Les matchs qui se sont déroulés hier mardi, l'Autriche a battu l'équipe de la Suède 2-0. L'Estonie s'est inclinée à domicile devant la Belgique 3-0. Le classement du groupe F, on retrouve la première place l'équipe de l'Autriche avec 10 points. Deuxième position l'équipe de la Belgique avec 7 points. Troisième position l'équipe de la Suède avec 3 points. Quatrième position l'équipe de l'Estonie avec 1 point. Cinquième et dernière place l'équipe de l'Azerbaïdjan avec 1 point. Dans ce groupe F, il y a l'Autriche et la Belgique qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe G. Les matchs se sont déroulés hier mardi. La Bulgarie a fait machine contre la Serbie 1-0. La Hongrie a battu l'Lituanie 2-0. Dans le classement du groupe J, on retrouve la première place l'équipe de la Hongrie avec 7 points. Deuxième position l'équipe de la Serbie avec 7 points. Troisième position l'équipe de Monténégro avec 4 points. Quatrième position l'équipe de la Bulgarie avec 2 points. Cinquième et dernière place l'équipe de Lituanie avec 1 point. Dans ce groupe J, la Hongrie et la Serbie qui se sont qualifiés. Après, on passe au groupe H. Les matchs qui se sont déroulés ce lundi pour le groupe H. La Finlande a battu sur un score lourd l'équipe de Saint-Marin 6-0. L'Irlande du Nord s'est inclinée à domicile devant le Kazakhstan 1-0. La Slovénie et le Danemark, le match s'est soldé sur un score de parité 1-0. Pour le classement du groupe H, on retrouve la première place l'équipe de la Finlande avec 9 points. Deuxième position l'équipe de Kazakhstan avec 9 points. Troisième position l'équipe du Danemark avec 7 points. Quatrième position l'équipe de la Slovénie avec 7 points. Cinquième position l'équipe de l'Irlande du Nord avec 3 points. Sixième et dernière place l'équipe de Saint-Marin 0 points. Dans ce groupe H, il y a la Finlande et Kazakhstan et se sont qualifiés. Après, on passe au groupe E. Les matchs sont déroulés ce lundi. Biélorussie a battu l'équipe de Kosovo 2-1. L'Israël a battu l'équipe de Andorre 2-1.
La Suisse a fait match contre la Roumanie de 2 buts partout. Le classement du groupe E retrouve la première place l'équipe de la Suisse avec 10 points, deuxième position l'équipe de la Roumanie avec 8 points, troisième position l'Israël avec 7 points, quatrième position l'équipe de Biélorussie 3 points, cinquième position l'équipe de Kosovo 3 points et sixième position l'équipe de Andorre 1 point. Dans ce groupe E, il y a la Suisse et la Roumanie qui se sont qualifiées. Après, on passe au dernier groupe, le groupe G. Les matchs qui se sont déroulés hier mardi, la Bosnie-Herzégovine s'est inclinée à domicile devant Luxembourg 2 buts à 1. L'Islande s'est inclinée à domicile devant Portugal 1 but à 0. Le Liechtenstein s'est incliné à domicile devant la Slovaquie 1 but à 0. Le classement du groupe G, on retrouve à la première place l'équipe de Portugal avec 12 points. Deuxième position l'équipe de la Slovaquie 10 points. Troisième position l'équipe de Luxembourg avec 7 points. Quatrième position l'équipe de la Bosnie-Herzégovine. Herzégovine avec 3 points, 5e position l'équipe de l'Islande avec 3 points, 6e position et dernière place l'équipe de Liechtenstein 0 points. Dans ce groupe G, il y a la Portugal et la Slovaquie qui se sont qualifiés. Je vous dis que cette vidéo elle est terminée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Beaucoup salam alaikum. Au revoir.